Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Bonjour la France déconfinée, bonjour à tous. Bon bah une semaine que les enfants sont retournés à l'école, et bah ma foi, tout s'est bien passé, hein. Les profs gueulaient, les parents gueulaient, mais finalement, comme l'a dit Jean-Michel Blanquer, il y a plus de risques à rester chez toi que d'aller à l'école. Bah il a raison, je suis désolé. T'habites dans une centrale nucléaire ou un vieux cimetière indien, bah ça craint, hein. Alors bon, c'est vrai, il a fallu prendre de grandes mesures sanitaires à l'école, et alors, et bah c'est bien. On a tous vu, tu sais, cette photo là avec des enfants dans la cour assis dans des grands carrés à la craie là. Eh ben, avant les enfants essayaient de rentrer des carrés dans des ronds. Bon bah là on a rentré les enfants directement dans des carrés. Eh ben c'est moderne. Non mais et puis toutes ces croix là, ces carrés à la craie là, ces chemins balisés au scotch. Eh ben on n'est pas à l'abri que Gulli rachète le concept pour faire Koh Lanta Kid. Ah, tu sais quoi? Moi, je suis sûre que les profs ont trouvé des solutions festives pour faire vivre tout ça. Mais oui, faire un cache-cache, mais sans aller chercher les enfants cachés, comme ça ils se confinent d'eux-mêmes. Apprendre aux petits à bien se mettre à plus d'1,50 m de distance, avant de lancer le cutter sur la maîtresse. Bien se laver sous les ongles quand on a joué avec son caca. Bien se nettoyer le zizi avec du gel hydroalcoolique après l'avoir déposé dans les cheveux de sa petite camarade. Eh ben, voyez, bah, eh ben, tout ça c'est ludique, tu vois, arrête. Non mais... peut-être qu'à l'école, ils vont peut-être instaurer un système de drive pour récupérer les enfants le soir. Bah, on sait pas, mais le drive, c'est à la mode. Allez, bonne journée, ma chérie. Travaille bien. Par contre, ce soir, c'est Chronopost qui viendra te chercher. Tu verras. C'est très rigolo d'être dans une fourgonnette avec un vieux monsieur. Eh ben, voyez, bah, eh ben, ça, c'est le futur, ça. Mais oui, mais oui, mais oui. En tout cas, tous ces profs qui prennent des pauses de café-clope à chaque intercours vont peut-être enfin se rendre compte en macérant dans leur masque toute la journée que depuis des années, ils avaient la laine d'un PMU. mais oui, allez, c'est bien d'aller à l'école, mais oui, c'est bien d'aller à l'école en attendant la pause estivale. Ah bah oui, parce que t'as entendu? Bonne nouvelle, t'as vu? Eh, les plages rouvrent, mais on n'a pas le droit de s'arrêter bronzé, et cet été, on pourra partir en vacances, mais on aura juste le droit de rester en France. Écoute, pour l'instant donc, en août, potentiellement, on peut envisager de passer ses vacances à marcher sur Dijon plage. Allez. Cessons de rêver, cessons de rêver. Pour l'instant, ce qui serait bien, tu vois, c'est que les adultes arrêtent d'angoisser et de considérer que les enfants sont juste de véritables bombes bactériologiques. Jusqu'à fin juin, tu vois, c'est l'école qui est important. Il faut que les petits y retournent. 600 000 d'entre eux ont décroché pendant le confinement. 600 000 d'entre eux ont décroché pendant le confinement. Eh ben, c'est un virus tout aussi dangereux. Allez, portez-vous bien, sortez, hein. Mais sortez couverts. Et à lundi. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.